deux cours, on en profite pour jaser en bonne compagnie. Je m'appelle Danny Turcotte et je vous invite à découvrir différents professeurs de l'Université TELUC à travers cette série d'entretiens. On aura accès à leur enseignement et à leur recherche, mais aussi à ce qui les passionne en dehors de leur travail. Je vous propose de m'accompagner à la rencontre de ces femmes et de ces hommes aux idées inspirantes. Plongez avec moi au cœur des enjeux liés à la communication. C'est comme s'il l'entendait dans un bocal d'eau. Quand j'ai su que j'étais dyslexique, j'avais environ 6-7 ans. La dyslexie, c'est comme une neurodiversité. Le fait de s'assumer, ça a diminué l'intensité de mon bégaiement. Il faut les mettre au défi de réfléchir à des idées difficiles, comme à quoi servent les parents. Fais-moi un mot. Ça, ce n'est qu'une partie de ce qu'on peut faire. Le cœur aphasique, c'est un peu la poursuite de la réadaptation. Je vous invite à passer le message. Avertissement. Les idées présentées dans cette série n'engagent que son concepteur et animateur, c'est-à-dire moi-même. Existe-t-il une meilleure méthode que les autres pour enseigner? Et si oui, quelle est-elle? Pour répondre à cette question qui déchaîne les passions dans les facultés d'éducation, je reçois Christian Boyer, consultant en pédagogie et en orthopédagogie, et Raouadja Zarzi, enseignante en classe d'accueil.